Et je pense qu'il faut changer le filtre là. Oh là 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 là. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on est à Toulouse pour la jam. Et bon, on est un peu à la bourre, mais on est passé devant dans le spot et il y a déjà plein de monde qui est là. Ouais, y a du coup, ça va être bien stylé. Salut, ça va? Ça va beaucoup, mec? Putain, c'est ça long. Ça va? Yo, yo, yo. Ouais, il y a tellement de monde, ça va? Oh, la digestion. J'ai enquillé un sandwich trop vite là, j'ai du mal. En fait, je bouge avec. J'ai l'impression d'être enceinte en fait, genre c'est terrible. Là, Romain il vient, il va vous montrer. Moi j'ai plus rien à dire. Allez, attends, mais ça se trouve. Bienvenue. Oh, bah oui, bah oui. Oui. Loïs, c'est quoi le projet là? Side press ça là. Comme ça et side press. C'est juste la fente là, c'est mal foutu là. Ils ont mal géré, hein. Ils ont mis genre deux murs, ils ont essayé de les coller, mais les gars, ça marche pas. Ouais, c'est grave. Ça marche pas. Le pied il se colle dedans, c'est fini. Magnifique, je pensais qu'il allait jamais s'arrêter. Ouais, incroyable, il a rebondi comme une petite balle. Là on a fait quelques prêts au sol et Jérémy il vise comme un dieu en fait. Je pense que je vais le faire. Et il a dit qu'il allait le faire avant moi. Le setup il est parfait. Il est déter. En fait on a compté 9 pieds, parce que le saut il fait 9 pieds, on a fait ça sur le sol. Et ça passe bien, du coup faut se faire confiance. Ah, le pire c'est que c'est sûr, ils vont le faire les trois. Allez, go. Allez, mec. Yes! Je sais pas, je vois l'île Ruel et je sais pas, je l'ai vu, je me dis, mais il y a un side à faire là. Je vais juste laisser un peu, ouais, comme ça déjà. Bon, comme ça, c'est beau. Voilà, ça va. Je sais pas, Lilou, je sais pas ce qu'elle a pris avant la session, mais elle est beaucoup trop confiante là. Toulouse, ça part en cacahuète là. Là, on a trouvé un chabra avec des frérots, sauf qu'il y a un problème. Regarde, s'il te plaît. Là, on dirait qu'il n'y a rien. Wow. Les gars, problème les gars. Problème les gars, vous avez oublié de fixer là. Ils ont oublié des boulons là, il y a un problème. Toulouse, c'est fait en Lego en fait. Ils ont assemblé des murs en deux spins. Mais oui, les gars, ça va le faire. Allez, on enlève les poubelles et ça part en chabra. Allez, c'est parti, les gars. Faut bosser. Oh oui. Oh oui, mec. Oh la spéciale. Oh le sucre, il a. Je sors, on va gagner une paire de loups, donc je vais poser une question. Celui qui répond le plus vite et qui dit la bonne réponse, évidemment, il gagne direct la paire de loups. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien regardé les vidéos, parce que ça va être une question par rapport à ça. Quelle est la première personne
à nous avoir hébergés en trip. Ouais, il est sur lui. Mais il est sur lui. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom, mais j'ai... René. Oh non, il je l'ai entendu, il a hésité. Oh, tu lui envoies un mail et il t'envoie une paire gratuite. Merci, Julien. Merci beaucoup. C'est quoi ce bordel? Let's go. Big up René, si tu regardes encore les vidéos, on t'embrasse. On tient vraiment à remercier Holo qui vont nous suivre pendant tout le Tour de France et on va pouvoir faire gagner des paires à toutes les jams. En vrai, c'est des bonnes paires de chaussures qui accrochent bien quand tu fais du parcours, du free running, c'est vraiment les meilleures paires. Et moi, je vous les conseille personnellement et puis si vous en voulez une, venez à la jam. Hein. Les vibes comme ça de jam, vraiment, c'est trop cool parce qu'on rencontre des gens et il se passe trop de trucs. Oh, oh, oh. J'aimerais avoir cette vie sur la pleine lune et les étoiles de la nuit, mon ami pour l'instant. Que de l'orage et de la pluie, l'ami femme en seul appui, j'ai balancé mes rêves comme une pièce dans le puits, à ton avis. Ça m'énerve, on entend pas, y'a pas de sou. Y'a pas de sou. Il est trop chaud. Abonnez-vous. C'est éclaté, mais merci beaucoup. Ouais, c'est galerie. Est-ce que la Ouzi dormirait pas chez Lilou Ruel ce soir? C'est vrai? Mais non. C'est un peu cher. C'est... On en reparle au prochain spot, c'est parti. Là il y a un petit bras, juste ici. Et c'est une sortie de garage. Et je crois que c'est la fin de la journée, mais j'ai quand même envie de faire des choses. Donc on va faire des petites preps et ça va peut-être partir, Inch'Allah. Yes. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe avec les cheveux là? Mais je vois rien, putain, merde. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je vais me les couper. Je vais être chauve. Ça va partir en... Vous étonnez pas si un jour je poste une photo et je suis chauve. Oh ah. Tu vas l'or, tu vas l'or. Yeah. Oh bah. Yes! Oh, good. Ah ouais? Oh, oui. Allez, allez! On va chez Mademoiselle Ruel faire un petit tour dans la piscine. Oh, let's go! Y'a rien de mieux après une jam. On est dans Instagram là. On est dans Instagram. On est rentré dans le téléphone et on se retrouve ici. Alors on est chez Lilou Ruel. Si vous la connaissez pas, c'est sûrement la meilleure freerunneuse du monde. Bah oui. Voilà. On n'a pas peur de dire ça. On n'a pas peur de dire ça et elle vient d'ici. C'est ici que tout a commencé. Elle est française. C'est incroyable et aujourd'hui on est chez elle. On va voir, on va faire un tour de ses meilleurs spots. Ouais, alors là on a ce qu'on appelle un trampoline dans le jardin. Dans le jardin. Ouais. Je voulais dire dans le jargon. Oui, ça marche aussi. Jardin. Alors là, moi j'ai vu un. Elle a déjà traversé ce trampoline, je crois. Ouais. Et elle a atterri en plein dos en dessous. Préférée, hein. Voilà. Attends, parce que elle nous a dit qu'il y avait une piscine. Oh ça, oui. Ça, c'est dans la tête. Vous voyez ce beau t-shirt? Et bah, il est exclusif. On peut le retrouver que dans les jams. Donc venez nous voir et vous pouvez l'avoir. Sur internet, il n'est pas disponible. Tous les week-ends, il y a des jams, les gars. Vous regardez sur notre site et vous pouvez retrouver toutes les jams. Dans toutes les villes de France. Non, je déconne, les plus grandes. Les plus grandes villes. Tranquille, avec vos blés de paumés, là, calmez-vous. Mec, c'est extraordinaire d'avoir ça. Dans ta... Il y a pas de fond. Ah, mais notre emploi! C'est là qu'il y a le plus de fond, quoi! Attends, mais ça part en session ou c'est comment là? Vas-y, Bardo, c'est ton moment! Bardo, je m'appelle Bardo! Allez, Philippe! Oui! Oh!
mec. Eh, moi je vais pas vous mentir, ça part en gros couscous des îles. Tête de ma mère. Eh les gars, on va faire un couscous. Mais en fait, on va tous devenir rebeux là-dedans. C'est pas possible. Seven Morito, couscous. Mais là les gars, chez Lilo. Mais non frère, ça part. Faut savoir, chez la Wheezy, le couscous, je crois que c'est un des meilleurs plats. Ah ouais. À chaque fois, quand on a fait une grosse journée training ou un truc comme ça, c'est toujours couscous. Mais le couscous, mais... Oh. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Si vous êtes d'accord, mettez-le en commentaire. Okay. Je l'ai même pas. Aucun rapport avec le pain. Attends, tu fais quoi, frère? Attends. Le débat de la soirée, c'est Lipton ou 7-Up? Moi, je sais pas vous, les gars, mais 7-Up Morito, tu vois, il y a un petit... Il y a un truc. Mais Lipton Green... c'est quoi, c'est Lipton Citron Citron Vert? Il y a quelque chose. En vrai, il y a quelque chose. On va goûter dans ces beaux verres à whisky. Lilou, c'est quoi ce bordel, là? C'est quoi ce délire, là? Parce que c'est... C'est le moustache. Non, mais... Et le sommeil m'a aspiré tellement fort. Eh hey Louis, on te voit plus trop dans les vidéos, t'es blessé ou quoi? Est-ce que je suis blessé? Très bonne question. Oui, je suis blessé depuis... ça va faire 2 semaines là, et j'ai une entorse à la cheville et ça se répare pas. Du coup, je sais pas quand est-ce que je serai de retour, mais c'est pas pour tout de suite apparemment. C'était là? Attends, regarde. Yes. C'est chill. Vous commencez où? Oh, et là il y a l'autre roof gap. Celui-là il fait chauffer un peu quand même. Il fait 17 pas contre bas. Et on est en train de nettoyer l'élan, de travailler la réception. Là Mathieu il est en train de mettre un tas de gravier pour que la réception soit assez chill. Le roof gap il est parfait, mais l'atterrissage c'est les cailloux et genre le sol il est bien dur. Mathieu il est en train de faire une bonne récep. Et je pense qu'il va l'envoyer vu comment il est à l'aise à chaque fois. En routine. 2, 1, let's go. Il y a moyen d'être créatif et de faire une bonne line à plusieurs. Peut-être un petit plan drone parce que ça peut être visuel si on voit plusieurs personnes bouger. Éclaté, gros. Incroyable. Oh, cette sensation de désactiver son cerveau, de courir là, tout est flou, mais t'es tellement focus, c'est incroyable. Ah yes. Oh, il est trop chaud, il est dans une bonne période le Jérém là. Bon là on a fini training, parce qu'il fait trop chaud. On peut pas training sous 38 degrés. On va aller essayer de se baigner à un autre spot. On arrive à un petit spot qu'un des abonnés nous a conseillé. Donc je pense qu'on va se baigner là. Et après aller voir un autre spot qui est dans la ville de Beau-de-Provence. C'est un vieux château et peut-être qu'il y a moyen de faire du parcours. On
était tout juste reparti en trip. Et quand on roulait, on s'est rendu compte que le van il faisait des bruits un petit peu bizarres alors qu'on vient de le réparer. Du coup, on va voir ce qui se passe. Ouais. Le van en ce moment, c'est vraiment tous les jours, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui se passe, mais il prend vraiment très très cher. Pourtant, on n'a pas l'impression de lui en mettre trop dans la gueule, mais bref, il y a un espèce de bruit bizarre à l'arrière du van. La roue arrière est cuite, genre. Ah ouais. Le van, il est en train de canner, le pauvre. Il a pété comme. Il est là, le van. Il est dans notre cœur. Et il est en train de couiner le truc carrément. Mais là, assis, attends. Y'a un bruit là. Attends, mais je fais pas assez fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Le van, on va l'emmener au bout. Au bout du bout. On a changé les freins et on doit recharger un truc. C'est comme les blessures, y a des déséquilibres partout là. En même temps, quand on a fait l'Espagne, l'Italie, on lui a fait bouffer tellement de kilomètres. Je pense qu'il était pas prêt à ça, donc c'est normal qu'il est comme ça maintenant. Bizarre maintenant. On a rien. Je pense qu'il faut changer le filtre là. On va m'y connaissant, ouais, on va dévisser les boulons. Mais on va rien changer du tout, ouais. On sait rien faire. Et en plus hier Mathieu il a fait une dinguerie. Le van il touche plus le sol. Attends deux secondes, on va essayer. Mets le frein en main, on va essayer de le soulever. 3, 2, 1, vas-y. Let's go. C'est bon, ça roule. C'est bon, ça roule. C'est reparti. En fait, le van, il était calé par une barre qui était en dessous. Il a reculé dans le vide, genre... un truc tout bête. Mais non, c'est pas bon, ça. Elle est dévissée, la roue. Oh là 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 là, mais ça en finit jamais. On essaye de faire les experts et en fait, on n'y connaît rien du tout. Du coup, bah, on dit n'importe quoi. Si. Je suis sûr. Regarde, viens voir. Écoutez. Ok. Il y a un truc, les gars, le vous allez pas me la faire. L'autre a tapé plus fort. Le côté droit, il est niqué. Putain, on est quand même en train d'essayer de faire un diagnostic en tapant sur les pneus. Je sais pas vraiment quel genre de garagiste ferait ça, mais bon, nous on le fait en tout cas. Romain, il a repéré un petit garage sur la route et on va demander au garagiste pour voir ce que c'est. On espère qu'il va nous dire oh, mais c'est juste le petit boulon là, il va resserrer et on va repartir. Ouais. Côté là bah, on pense que c'est celui-là. Et les... Ah oui, soit c'est le témoin qui touche au disque. Hein. Ou il y a un gravier dans la roue. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Si ouais, grave. On va aller demain à 8h. Ça dit quoi, les gars? Bon, là, on ressort de chez le garagiste. Et du coup, il a regardé la roue et apparemment, elle était desserrée en fait. Du coup, il nous a dit qu'à tout moment, en fait, elle aurait pu partir. Et nous, hier, on le disait un petit peu en rigolant. Et au final, ça aurait pu arriver. Ça fait un peu froid dans le dos, mais du coup, c'est bon, il a resserré la roue et là, on est reparti. Ça continue. Ça continue le road trip. Let's go. Aujourd'hui, on est au Pot de Provence parce qu'on a repéré sur Google Maps qu'il y avait un château et on a l'impression qu'il y a de quoi faire du parcours. Du coup, on va aller visiter un peu tout ça. En vrai, c'est grave cool ce genre de village parce que ça nous apprend à bouger dans un environnement différent. Genre, c'est pas les mêmes spots qu'en ville, quoi. Du coup, c'est stylé. Mais dans ce genre de village, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Là, j'ai trop hâte qu'on découvre des petits spots et qu'on training là, ça va faire plaisir.
fait, c'est le petit secret de Doc. Hop là, chap. C'est Marseille bébé, ouais.